Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation d'un d'autres bicycles hein, que j'ai ouvert. Donc c'est le bicycle Eyes. Enfin Eye plutôt, parce que Eyes c'est les yeux, là c'est un œil. Allez, on commence par la face de l'étui. Hop, donc voilà. Dessin basique. Le derrière. Ça fait un Le peu dos. tapisserie des années 70. Ouais. Donc la forme de la carte, c'est pas ça, hein, c'est pas le même design. Sur le côté, donc le dessin qui représente un œil, bien évidemment. La même chose de l'autre. Voilà. Et hop, dans ce sens-là, l'arrière de l'étui, le cul de l'étui, et le devant. Donc c'est là qu'il y a le nom d'ailleurs, hein. Il n'y a que là qu'on le voit, j'ai pas vu, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc E, Y, E. Et le style classique. Exactement. Style. Allez, l'intérieur, une petite écriture sur la languette. Voilà. Montre-moi le style. Bon, c'est le truc classique, Classique. bicycle, hein, qu'on Ouais. a l'habitude de voir. Deux petits logos qui représentent comme une boussole. Sur les petites languettes, et voilà. Allez, donc à l'intérieur du jeu, donc quand on l'étale, la première chose qu'on voit, c'est ça. Donc j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé d'asymétrie. Non, je plaisante, hein, forcément ça se voit du premier coup, hein, puisque si on retourne la carte, on voit bien qu'on a une partie bleue dans la partie qui est rouge, et tout le reste aussi est asymétrique au niveau des couleurs. Ça fait bleu, blanc, rouge. C'est pour savoir si vous suivez. Hein. Donc c'est ce qu'on voit au premier coup d'œil, et sur la face, ça ressemble à ça. Donc c'est, on va dire, c'est assez quand même difficile à voir les cartes, je trouvais, au niveau du design. Faudrait changer de Mais taquet bon, parce qu'à chaque fois on prend le ouais, petit. il est un peu court, mais bon, de toute manière, je vais les montrer. Donc dans ce jeu, donc on a deux cartes qui sont, donc on reçoit deux cartes double dos. Alors c'est pas vraiment des vrais double dos, que si on regarde bien, quand je la retourne, celle-ci elle est bleue et bleue, donc ça c'est logique, mais si celle-ci je la retourne, elle est bleue et rouge de l'autre côté. Donc ils ont inversé les dessins, donc ça je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est fourni à l'intérieur. Donc deux doubles dos. Ensuite, on a les deux jokers, donc qui sont tout simplement de différentes couleurs, hein, au niveau des dessins. Et c'est tout au niveau des cartes gimmick. Enfin, au niveau des cartes gimmick. C'est pas des cartes gimmick, les jokers, mais. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais laisser les as ici. On les verra après. Et on attaque la série à pic. Donc, un design vraiment très sobre là. Hein. Alors, t'as vu que le 2 était excentré plutôt que d'être au milieu. Oui. Ben, comme toutes les autres cartes en fait. Hein. Comme toutes les autres. Voilà, c'est. Ça a été fait tout comme ça jusqu'au bout du jeu. Donc après, je sais pas si c'est. C'est original. Voilà. C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors les cartes à points, ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Si on les regarde, on reconnaît que c'est un 10 et tout ça. Quand on attaque les figures, là j'avoue que si je tiens l'index qui est ici et que je fais ça, celui qui me dit que c'est un valet, bravo. Donc ça c'est quand même un petit peu difficile si on voit pas les index. Hein. La dame. Le roi, oui, avec le chapeau, Voilà, peut-être. ouais, le roi à la rigueur, ouais, mais c'est vrai que le reste c'est quand même assez difficile. L'as de carreau, je le mets ici, on le verra après, et après on fait le reste. Alors, la couleur, c'est pas totalement rouge, hein, c'est un genre de marron. Le rouge, ouais, c'est même, je dirais, plus marron que rouge d'ailleurs. Donc le valet, la dame. Et le roi. Donc c'est un design qui est quand même assez particulier. Hein. C'est assez particulier. Hein. Mais bon, pour les collectionneurs, effectivement, ça reste un jeu, un design différent que le Bicycle. Alors au niveau qualité de carte, on reste toujours sur la carte Bicycle, on est sur la même trame. Hop, l'as de trèfle, je le mets ici. Bon, madame, vous avez vu, elle reconnaît. Ah ouais, c'est fort, hein? T'as bien appris ta leçon.
Et on termine avec l'as de cœur. Donc, c'est vrai que bah, les as sont gros dans ce jeu-là, particulièrement important, imposant. Donc, on va dire que ça c'est joli. Et voilà. Donc rien de particulier sur ce jeu, à part son design qui est un petit peu particulier. La carte au niveau d'ici, bon ben voilà, elle est sommaire. Il y a un design qui est vraiment très très simple. Et oui, il est totalement lui asymétrique. Mais bon, c'est un asymétrique qui se voit, donc je trouve pas d'intérêt pour nous en magie. Voilà, donc ça c'était une petite présentation du jeu Aïe. Aïe. Aïe plutôt, ouais. Allez, à bientôt.